Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mic et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts avec des armes de l'IO ou des armes extraterrestres. Alors pour obtenir une arme extraterrestre, vous allez pouvoir vous rendre aux lieux dits qui sont affichés en violet ou en mauve sur la carte de Fortnite. Donc à ces emplacements là, il y aura toujours 3 soucoupes volantes avec des intrus à l'intérieur des soucoupes volantes, donc tout simplement des extraterrestres. Donc ce que vous faites, c'est que vous tirez dans une soucoupe volante, ensuite vous tuez l'extraterrestre qui était dans cette soucoupe volante et là vous allez pouvoir récupérer une arme extraterrestre. Alors ça, c'est la première façon d'obtenir les armes extraterrestres. Alors c'est possible aussi que si vous tirez avec une soucoupe volante sur les adversaires, ça compte comme arme extraterrestre. Mais ça, je ne suis pas sûr. Après maintenant, si vous voulez obtenir une arme de l'IO, il y a d'autres façons et vous allez pouvoir les trouver un peu n'importe où. Soit vous les construisez, soit vous les cherchez dans des coffres normaux ou soit vous les cherchez dans des coffres spéciaux. Alors moi je vous conseille d'aller directement dans des coffres spéciaux qui se trouvent bien souvent dans des bases satellites. Mais de toute façon pour vous aider à trouver des coffres spéciaux où là vous avez de grandes chances de tomber sur des armes de l'IO, je vous affiche une map avec tous les emplacements des coffres spéciaux de l'IO. Et la dernière façon d'obtenir une arme de l'IO, c'est tout simplement de tuer des gardes IO. Parce que quand vous allez tuer un garde, vous allez pouvoir récupérer son arme qui sera toujours une arme de l'IO. Donc voilà, quand vous avez réussi à obtenir une arme de l'IO ou une arme extraterrestre, là vous allez devoir infliger des dégâts avec ces armes. Donc soit vous faites des dégâts contre d'autres joueurs, soit vous faites des dégâts contre des PNJ, je ne sais pas si ça marche mais ça peut peut-être fonctionner, ou même contre des animaux, voire même les parasites extraterrestres, ça peut aussi fonctionner. Donc si ça ne fonctionne pas contre les animaux, etc., vous serez obligé d'infliger 500 points de dégâts aux adversaires pour terminer le défi et débloquer 30 000 XP. Alors si vous n'arrivez vraiment pas à réaliser ce défi, je mettrai un lien en description et en commentaire épinglé d'une vidéo qui vous explique comment créer une partie uniquement contre des bots. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, c'est 100% légit et au moins vous n'aurez aucune difficulté à réaliser n'importe quel défi sur Fortnite comme vous allez jouer contre des bots qui sont vraiment très très nuls. Donc voilà, c'est 100% légit, n'hésitez pas à en profiter si jamais ça vous intéresse. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.